toi aussi tu veux des crédits, si toi aussi tu veux des points FIFA pour avoir ces énormes joueurs, alors va sur utonebuy.com, t'as 5% de réduction avec le code ICOR. Et bien salut tout le monde, c'est Corfut et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les mecs, je vais vous retrouver pour un nouveau concept draft. Je sais que vous avez aimé le précédent concept draft, donc qui consistait à lancer un dé et donc avoir 1, 2, 3, 4 ou 5 pour choisir le joueur. Ici donc ça va être un concept à peu près similaire, enfin ça va être aléatoire mais on aura quand même un peu de choix. Je vais vous expliquer, ça va être très très simple. Je suis donc sur mon téléphone, j'ai un générateur de lettres aléatoires, c'est à dire que j'ai mis toutes les lettres de l'alphabet. Je vais générer une lettre donc qui sera de A à Z. Avec cette lettre donc je pourrais choisir un joueur qui contient cette lettre. Donc je vais vous donner un exemple. Je tombe sur la lettre I et j'ai sur comme joueur, par exemple j'ai Ronaldo, donc lui il ne contient pas de I donc je peux pas choisir. Il y a Messi, donc Messi il y a un I, je peux le choisir. Et il y a Thiago Silva. Thiago on comprend dans le nom, de toute façon il y a Silva aussi, donc ça fait un I. Donc on a le choix entre Silva et Messi. Donc j'ai le choix entre les deux. Si aucun des joueurs ne contient la lettre, par exemple si là du coup avec ces joueurs là je tombe sur un Z, et eh bien là je ne peux prendre aucun joueur. Mais vu qu'il n'y a aucun joueur, alors là j'ai le droit de choisir le joueur que je veux. Donc les gars, même s'il y a une part de hasard, il y a quand même une part de choix. Et ça, ça peut être cool vraiment dans ce concept. Donc les gars, si vous kiffez ce genre de concept, mettez-moi un max de like. Si on atteint les 70 likes, je continuerai ce genre de concept les gars. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des autres concepts que vous aimeriez voir sur la chaîne. Donc les gars, on est parti. 15 000 crédits, donc hop. Alors par contre, donc du coup, pour le choix de la composition, j'ai le droit de choisir ce que je veux. Et donc, je vais partir pour un 4-4-2 resserré. C'est parti. Donc, on va générer la première lettre. Alors, si ça veut bien marcher. Et donc, je vais vous le montrer. Je sais pas si on va bien voir. Il s'agit donc d'un C. Voilà, donc je vous le montre. Après, je vous le montrerai plus. Les gars, faites-moi confiance quand même. Donc, un C. Les gars, vous avez vu, il n'y a aucun joueur qui contient un C. Donc là, on a eu vraiment beaucoup de chance. Donc, je vais pouvoir choisir le joueur que je vais prendre. Daniel Alves, tout simplement parce que il y a certes, il y a Messi, Ronaldo, mais dans la composition, ça va pas faire beaucoup de collectif. Donc, je préfère prendre Daniel Alves. Allez, deuxième exemple. Après, j'essaierai d'aller un peu plus vite. Donc, on va générer. Donc là, on a eu un E. Donc là, pas de E, pas de E, pas de E, pas de E. Là, Enyama, il y a un E. Donc, je suis obligé de prendre Enyama. J'ai pas le choix. Allez, on va générer une autre lettre, un J. Donc là, est-ce qu'il y a un joueur qui a un J? Il n'y a pas de joueurs qui ont des J, donc j'ai le droit de choisir le joueur que je veux. Je vais prendre Godin. Alors pour la prochaine, un N. Un N, donc on a Touran. On va prendre Touran. On va prendre Touran. Est-ce qu'on a Eriksen? Je vais prendre Touran pour le lien avec Daniel, mais c'est pas. Allez, pour le prochain joueur, j'ai un E. Donc j'ai Sanchez, j'ai Iniesta, j'ai Touré, j'ai Messi qui peut être bien. Alors les gars, j'hésite. Parce que je peux prendre Iniesta, je peux prendre Messi les gars, c'est un truc de ouf là, on peut prendre Messi. Je sais pas. Allez, je vais quand même prendre Messi. Je prends Messi et je le mettrai en buteur. Allez, prochain joueur, un Q les gars. Un Q. Attention à ce qu'on a un joueur en Q. On n'a pas de joueur en Q et on a des très très gros joueurs. Alors, donc là c'est du lourd les gars, je sais pas vraiment qui prendre. Je pense qu'on va partir sur du Bale. Et donc pour le défenseur droit, on a obtenu un H. Donc un H pour le défenseur droit, on a Chokros ou Chetjou. Donc du coup c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant du coup parce que j'aurais bien pris piqué. Mais du coup voilà, on va prendre Chokros. Allez les gars, en milieu défensif central, on va obtenir la lettre F. Et donc en F, on n'a rien les gars. Donc on a le choix de choisir qui on veut. Et donc je vais prendre Busquets. Allez, pour le défenseur gauche, on a obtenu un M, les gars, un M. Donc on a Moreno qui peut être possible. Ouais, je vais prendre Moreno, il est de BPL, donc c'est très très bien. Les gars, dernière lettre, un Y. Alors là, ce serait cool de ne pas avoir de joueurs possibles et de choisir. Mais de toute façon, on a des joueurs vraiment pas terribles. Donc je vais prendre Nigredo, je pense, pour le collectif. Donc voilà, les gars, je vais essayer de faire la meilleure équipe possible et on se retrouve tout de suite. Et donc voilà, les gars, pour moi, voici la meilleure équipe possible que je pouvais faire donc avec cette draft. Donc d'abord un côté brésilien, ensuite donc un côté Liga BBVA, donc tout le reste de l'équipe. Alors donc on avait Negredo, on avait un autre buteur qui pouvait être sympa. Non, un autre milieu droit, pardon, c'était Touran. Ça faisait vraiment un lien parfait. Mais je me suis dit, autant mettre Bale et Messi, comme ça on met nos deux joueurs phares de l'équipe. Et comme ça on met Negredo en buteur, ça fait un lien, je veux dire, ça lui fait un poste parfait.
plutôt. J'ai préféré faire comme ceci. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, dites-le moi dans les commentaires. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce concept vous a plu. Si on atteint un max de likes, je referai donc ce genre de concept. Également, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un match avec cette équipe. J'en ferai un dans une autre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, donc n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, de liker. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Corfut et moi je vous dis à plus les gars.